被那干家子碰的。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien ? Ah ça va, aujourd'hui on va encore voyager j'ai l'impression. Et oui, cette fois-ci nous allons partir en Thaïlande, on va retrouver les productions Chayo, puisque voilà. Chez nos amis belges vient de sortir donc Hanuman et les 7 Ultraman. Donc chez Zeno Pictures. L'occasion de reparler un peu de Chayo. Voilà. L'autre fois, on a parlé de la face lumineuse d'Ultraman. Là, on va parler de la face un peu plus obscure, on va dire. Donc, dans le Toku Focus, on vous parlera des films consacrés notamment à Hanuman. Puisque oui, il a fait équipe avec Ultraman, mais également avec Kamen Rider. Donc, c'est l'occasion de revenir un peu sur tous les films qui ont bercé un peu l'univers d'Hanuman, comme ça, en Thaïlande. Ouais. Parce qu'il y a matière à en parler. Dans la Tokuka, on vous parlera plus en détail de ce DVD-là, parce que franchement, rien que voir ça arriver en Europe, c'était... Il y a des choses à croquer. C'était important d'en parler. Et enfin, dans le Dikotoku, on va vous parler d'un réalisateur de Tokusatsu qui a un peu tout fait, puisqu'il s'agit de Monsieur Shohei Tojo. Mais c'est tout de suite le Toku Focus. Alors, mon cher Fabien, la Chayo, c'est un peu l'un de nos fils rouges, quand même. On en avait parlé pour Marsman, on avait rencontré Mike Kobayashi au Cartooniste, et là, on revient sur Chayo. Donc, comment repartir sur la Chayo, dis-moi. Il semble que nous soyons condamnés à parler de la Chayo au moins une fois par an. C'est ça. Donc, en fait, la Chayo, en fait, c'est un studio thaïlandais. Nous avons déjà abordé quand on avait fait l'émission sur John Borges et sur Les Hommes d'une autre planète. Donc c'est un studio qui a été fondé par Sompote Samdeng Chuai. Alias Sompote Sands. Voilà, qui était un petit peu le gros Manitou du cinéma effets spéciaux Made in Thailand dans les années 70-80. Il se trouve qu'il a étudié l'art cinématographique au Japon dans les années 60, notamment à la Tô. Auprès des Jitsu Mpuraya, apparemment. Voilà. Des photos montrent qu'il était sur le plateau King Kong contre Godzilla. Et en fait, quand il est rentré en Thaïlande, ben on va dire qu'il a un petit peu amené les méthodes de production qu'il a vues au Japon pour l'amener dans le cinéma thaïlandais. Mais c'est vrai que je pense qu'il voulait faire du cinéma de grand spectacle pour le public local. Et la première étape... Donc, de la Chayo importante en matière d'effets spéciaux, c'est Tatienne, donc son film avec la fameuse statue thaïlandaise donc, qui prend vie, donc, qui est un film assez étrange. Puis ensuite arrive le partenariat avec Tsuburaya avec deux films. Le premier, c'est donc Jumbo A et Giant, donc, qui est un remontage de la série de John Borges avec des éléments du cru, plus de nouvelles séquences. Avec le fameux Tatienne. Voilà, le fameux la fameuse statue du temps. Oui, je sais, mais j'oublie, il a un nom que j'ai complètement oublié. Je suis désolé. Ce dieu. Et donc le deuxième film, ça va être, donc on amène un autre héros, une autre figure de la mythologie thaïlandaise, donc le dieu singe Hanuman, ouais. Qu'on va confronter avec un autre personnage japonais, qui s'agit de... Ultraman. Voilà. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait ils vont confronter Hanuman aux 6 premiers Ultraman qu'on a vu dans les shows de Tsuburaya, dans un film qui s'appelle Ultraman versus... Seven Ultraman. Voilà, Hanuman versus Seven Ultraman ou Six Ultra Brothers versus The Monster Army au Japon. Ouais.
Pourquoi 7 ou 6? Tout simplement parce que la version thaïlandaise compte la Ultra Mother en tant qu'Ultraman. Qu'on voit deux secondes dans le film. Voilà. Donc ce film, Jordan, donc, qui est une coproduction Japon et Thaïlande, ou plutôt Thaïlande et Japon, est dissocié. Donc il y a eu deux postes, deux réalisateurs, parce qu'on a d'un côté Sompote et Sandin Chuai, qui réalisait toutes les séquences dramatiques avec les acteurs en Thaïlande. Et toutes les séquences avec acteurs, en gros. Voilà. Et de l'autre côté, on avait donc Shuri Tojo, qui a réalisé toutes les séquences tokusatsu, donc avec effets spéciaux, au Japon. Et ensuite, ils ont regroupé tout ça pour faire un film d'1h45, quand même. Quand même, Que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un film qui est quand même un petit peu bizarre. Un peu, c'est relatif. Voilà. Tu veux nous en parler ou tu veux que je fasse le pitch? Je préfère que tu le fasses parce que je serais incapable de le pitch. Je le pitch, parce que j'ai pris un peu de coke avant l'émission, donc je peux vous en parler. Donc en fait, on pourrait dire que ce film, c'est plus deux moyens-métrages de 50 minutes qui ont été regroupés ensemble. Parce qu'il y a deux intrigues. Parce que dans la première partie, donc on vous explique l'origine d'Anuman, son origine cosmique, le fait que visiblement il aurait été créé par une déesse et que les Ultraman auraient regardé ça de loin en disant on va vous filer un petit coup de main quand même pour créer Anuman. Et donc ensuite cette histoire se passe sur Terre dans les années 70, dans un futur un peu fantasmé où il y a un scientifique qui met en place un système de fusée qui veut faire décoller en Thaïlande. D'un coup, un côté ensuite deux comiques locaux qui jouent qui vont être récurrents dans le cinéma de Sampoté, quoi. Des Pipo et Popo locaux, quoi. Voilà. Et en fait, donc on suit l'histoire d'un gamin. Mm-hmm. D'un petit gamin tout gentil, tout mignon, tout plein, qui vénère Anuman, et ses potes aussi, ses petits copains, ils vénèrent Anuman, trop de man dans tout ça. Et donc il y a des méchants pilleurs de trésors qui volent une statue donc d'un temple, enfin la tête d'une statue de temple, et le petit garçon les poursuit, et les deux malandrins tuent le petit garçon à coups de balle dans la tête quand même, ce qui a été un traitement assez violent et assez radical. Et donc les autres petits enfants font une cérémonie d'adieu pour leurs copains, et là on a la mère Ultraman qui récupère l'enfant et va lui donner limite les pouvoirs d'Anuman. Ils vont faire une cérémonie et donc en fait ils vont ressusciter Anuman dans le corps de ce gamin qui va pouvoir se transformer en Anuman géant à volonté. Fin de la première partie. Bon, il va vouloir se venger aussi des mecs qui vont tuer. Et dans la première partie, donc on revient sur ce délire d'installation de fusée qui est prête à décoller. Et donc là, d'un coup, il y a une flopée de kaiju. Quatre ou cinq monstres qui débarquent de sous-terre. Et donc, y a les six Ultraman qui viennent sur Terre. Parce qu'ils disent quand même, Anuman, il ne va pas pouvoir gérer ça tout seul. Exactement. Donc on va enfin bouger notre cul, on va l'aider. Voilà, donc il y a Anuman et les six Ultraman qui vont venir aider, qui vont se battre contre les kaiju. Voilà. Et on va entrecouper ça de plans d'un ch'tine enfant qui se plaint avec sa grande sœur, qui essaie de faire... Globalement, c'est voilà, ça. Voilà, voilà. Donc... Et les séquences de destruction sont totalement folles dingues. C'est un film... C'est incroyable, ce truc, je veux dire. C'est un vrai nanar... pas tenté, quoi. C'est le vrai film nanarland par excellence. Mais c'est très intéressant, parce que ça donne une idée... ce que pourrait être du cinéma épique en Thaïlande. On voit clairement qu'il y a une grosse ambition dans ce projet, et le but, c'est pas de faire un film d'une heure 10 ou d'une heure 15. Là, on veut faire un film d'une heure 45. Ça se veut comme un blockbuster. C'est une espèce de blockbuster local de 1974. Et c'est vrai que c'est un film qui est très intéressant par sa structure, cette histoire de faire un film en deux parties, en deux blocs. Pourquoi pas? Ça donne une ambition quand même au projet, encore une fois. Les séquences d'effets spéciaux sont assez bien foutues. Il y a quand même de l'ambition. Non, honnêtement, le film est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est totalement dingue, totalement nanar, mais il est chiadé comme jamais, quoi. Il est bien foutu. Il est sacrément bien foutu, quoi. C'est surtout ça. C'est que vous voyez des séquences d'effets spéciaux. C'est-à-dire, ça se voit que c'est les mecs de Tsuburaya qui ont bossé tout ça, quoi. C'est pas des séquences faites à l'arrache en Thaïlande par des gens qui n'y connaissaient rien. C'est vraiment des professionnels du tokusatsu qui ont fait ça. Et ça se voit.
Bien, ça se voit, c'est pour ça, c'est à la fois très nanardesque, mais en même temps, c'est super bien foutu. Ouais, c'est ce qui fait toute la dichotomie du film. Il y a ces séquences où on voit Newman qui poursuit donc, les deux criminels derrière les temples, et on le voit, il passe la main, il enlève tout ça, c'est des choses, les incrustations sont assez bien faites. Ouais, c'est qu'en fait, vous avez le décor qui est comme ça, vous avez Newman qui est derrière, et à un moment, il passe comme ça la patte au-dessus du décor, et ça, c'est des choses qu'on retrouvait principalement dans les productions de chez Tsuburaya. C'est ça. Bon, là, c'est pour du cinéma, donc forcément, ça a plus de gueule. Mais là, c'est vrai que ce que je remarque, c'est que Newman, c'est clairement le costume le mieux fait du film, ouais. Parce que c'est un nouveau costume. Quand on voit les costumes des Ultraman ou des monstres, surtout... Surtout des monstres. On voit que c'est du recyclage. On sent qu'ils sont fatigués. Notamment le pauvre Gomorra, ouais. On sent qu'il a fait une espèce de régime slim fast... un petit peu bizarre. C'est ça, même Ultraman. Hein, On sent qu'ils sont un peu passés les costumes. Mais voilà, globalement, le film mérite au moins le visionnage, au moins une fois, pour les séquences d'effets spéciaux. Ouais, au moins, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe beaucoup de temps à explorer la mythologie thaïlandaise et on la raccorde à la mythologie Ultraman. Donc ouais. Clairement, on va dire qu'on est plus dans la mythologie céleste. Tout à fait. Sur ce film-là, puisqu'il y a toute une séquence où à un moment donné qui n'a rien à voir avec le Schmilblick, où Hanuman va carrément voir le dieu qui incarne le soleil, ouais. et qui lui dit en gros, parce qu'il y a une vague de chaleur en fait dans le film, il lui dit oh dieu, écarte ton soleil parce que là t'es trop près de la terre, oui. Et oh excuse-moi Hanuman, je m'en vais, et du coup tout s'arrange. Non, mais c'est un film intéressant, mais bon, pour les fans, c'est vraiment pour les fans hardcore d'Ultraman, hein, si vous avez vraiment envie de tout voir. Vous pouvez voir le film. Faut savoir qu'il est sorti au Japon quand même, hein. Ouais. 5 ans plus tard, avec un générique refait, hein, qui met plus l'accent sur Ultraman que sur Hanuman, normal. 5 ans plus tard quand même, hein, 79. Donc, Et le film sera également exploité aux États-Unis dans une version remontée avec des séquences d'intro, notamment avec des Américains, ouais. À la limite beauf quand même. Mmh. Et non. C'est pas possible. Non, là, c'est juste pas possible. Déjà que le film thaïlandais, c'est la limite du pas possible. Non, là, c'est pas bon du tout. Mais voilà, il a quand même vécu une petite existence. Ouais. Je trouve. Et du bon placement de produits aussi dans ce film. Hein, ouais, notamment pour une certaine boisson gazeuse. C'est la première fois, en plus, que j'entends un réalisateur remercier ses spectateurs à la fin du film. Oui, et en plus, ça casse beaucoup le quatrième mur. Non, mais bon, après, le voir, oui, sûrement, pour le fun de voir tous les Ultraman ensemble se battre contre des monstres avec ce bon vieux Hanuman. Pour l'objet en soi, c'est intéressant. Ouais. Mais après, clair que c'est une expérience avec des potes, avec un pack de bière, quoi, surtout ça. Mais ça n'a absolument rien à voir en termes de qualité avec l'œuvre dont on va vous parler maintenant. Alors, la même année. Comment on pourrait décrire ce film ? C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est une suite, un spin-off ou autre. Pour moi, c'est une suite. Hein. Pour moi, c'est une suite. Donc, Hanuman et les 5 Kamen Riders. Donc, Hanuman et les 5 Kamen Riders. Donc là, pour résumer globalement le truc, en fait, là, on est dans le cadre d'un remontage plus ou moins... d'un film avec les 5 Kamen Riders, donc 5 Riders versus King Dark. King Dark, ouais. Et où en fait, donc, vous prenez ce film et vous le mélangez à Hanuman, avec des séquences issues de Hanuman et les 5 et les 7 Ultraman. Donc on retrouve le petit gamin, on retrouve les... C'est des stock shots du premier film. Les cambrioleurs, là, les voleurs. Ouais, les voleurs, ouais. Et pareil, il se fait shooter. Et là, par contre, la main qui est utilisée pour le sauver, c'est plus la main de l'Ultra Mother, par contre, mais c'est la main d'Hanuman. Ou du moins, c'est ce que le film essaye de nous faire croire. Ouais, genre... Puisqu'on ne nous montre pas la Ultra Mother, donc bon, pourquoi pas. Et du coup, donc, on a Hanuman qui intervient, qui se réincarne dans le petit garçon, et du coup qui va faire équipe avec les 5 Kamen Riders qui bizarrement ont été délocalisés en Thaïlande. Pourquoi et pas. Qui s'appellent même pas Kamen Rider, genre c'est Fourmi Rouge 1, Fourmi oui, Rouge 2, ça. Fourmi Noir. Parce que donc on a un grand méchant qui capture des femmes vierges pour leur pomper leur sang. Voilà.
Globalement. Et puis vous rajoutez des séquences qui se passent dans l'enfer avec des femmes qui sont torturées, des femmes qui sont brûlées, enfin qui sont ébouillantées dans. Enfin voilà. C'est là où je dis, là, par contre, on était dans la mythologie céleste dans le film d'avant. Là, on est carrément, on exploite l'enfer, mais de manière quand même assez. De manière assez détaillée quand même. On est à la limite du cinéma d'exploitation érotique hein, par moment. Moi, j'étais un peu surpris. Comme si. Ouais, c'est marrant parce que finalement ça représente bien ce que sont Kamen Rider et Ultraman au Japon. Il y en a un qui représente plus le ciel et l'élévation et l'autre quelque chose d'assez noir sans pour autant aller dans l'enfer. Mais ce film là c'est juste incroyable parce que déjà c'est un film qui n'a pas été fait avec la validation de la Toei, mais par contre qui a été fait par la même équipe, donc Sanpete Sands pareil réalise les séquences dramatiques, les séquences un peu avec les acteurs, et Shohei Tojo donc apparemment a réalisé les séquences de Tokusatsu qui cette fois sont faites quand même en Thaïlande. En partie. La première partie, c'est du recyclage de trucs japonais, et la deuxième partie, ça se passe en Thaïlande. Ça se voit tout simplement parce que la qualité du film n'est pas la même, et ça se voit parce que les costumes sont à la fois identiques et en même temps différents. C'est-à-dire qu'il y a des altérations au niveau des couleurs et au niveau de la taille des antennes, mais sinon après, ça reste globalement la même chose. Là où ça se voit surtout, c'est au niveau des monstres, puisque dans les images japonaises, vous avez les monstres classiques de Kamen Rider, et quand vous passez en Thaïlande, vous avez juste des humains avec des têtes de vaches et de moutons qui se baladent, quoi. C'est ça. Et puis surtout, le grand méchant, le fameux King Dark, qui est géant donc dans les stock shots. Ça se voit tout de suite, hein, d'ailleurs, que c'est des stock shots. Et bizarrement, quand on passe dans un plan thaïlandais, il revient à 1m80, 1m70. Sauf que vers la fin, on comprend qu'il peut grandir à volonté. Mais ça, par contre, c'était sympa, le coup où il grandit à la fin. C'est quand même des séquences assez intéressantes. Oui, c'était pas trop mal foutu, pour le coup. Mais globalement, voilà. C'est un film qui n'a ni queue ni tête. Hein. C'est n'importe quoi. Autant Hanuman et Ultraman, ça peut se tenir, autant là... Là, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, on change d'intrigue à peu près toutes les demi-heures, même à la fin, une fois que l'intrigue est terminée, on a un prologue, encore une fois, de 5 minutes ultra gore qui se passe en enfer. C'est complètement fou, et en même temps, à la fois, ça se veut vraiment un film de Kamen Rider, puisqu'il recycle, là, pour le coup, le générique de Kamen Rider X. C'est générique de Kamen Rider X, mais chanté en Thaïlande. Ouais, voilà, surtout qu'à un moment donné, on ne suit plus Hanuman, et on ne suit plus les Kamen Rider, on suit l'histoire d'un professeur et de sa fiancée. Et on se demande où on va en fait, et on reste avec eux pendant un long moment, tout ça parce que le méchant fait de la pression sur le scientifique, et pendant ce temps là la fille est victimisée, on lui met le truc dans le cou pour lui prélever son sang. Alors, par contre, je sais pas combien de litres de sang elle a dans le corps cette fille, parce que ça en finit jamais. Mais quand même gonflé de mettre les menaces exécution sur l'héroïne. Donc ça, par contre, c'est une souffrance, ce film là franchement, moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Je l'ai revu vraiment pour vous, pour l'émission, et j'en ai vraiment, vraiment bavé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est, Par contre, très, très bizarre, parce que la BO recycle des éléments un petit peu, de trucs un peu différents, notamment la musique « Jour où la Terre s'arrêta ». Oui. C'est vrai qu'à un moment, tu as du Bernard Herrmann. Donc c'est totalement fou. Dur. Du coup, dernière exploitation là, d'une licence un peu de tokusatsu, mais par contre, Sanpete ne va pas arrêter là avec son Hanuman, puisqu'il va revenir à la charge 10 ans plus tard, cette fois avec un gros film, une grosse fresque historique, enfin qui se veut l'équivalent d'une grosse fresque historique, où on a donc Tatsien qui rencontre donc Hanuman, cette fois décuplé, démultiplié à l'infini, puisque donc The Noble War, c'est un peu comment dire, c'est un peu les 10 commandements mais en Thaïlande en fait, mais sans le budget et sans l'ambition. Ouais, les 5 commandements et demi. Hein. C'est que ça se veut comme un gros truc religieux, enfin une grosse fresque religieuse historique, enfin tout ça, mais en gros c'est l'histoire de la Thaïlande et de ses dieux globalement. Mais c'est assez... moi j'ai tenu 20 minutes, hein. Honnêtement j'ai tenu 20 minutes sur ce film. C'est lui qui réalise aussi. Ouais, c'est lui qui réalise aussi, mais voilà. Dès qu'il a pas voulu un peu arrêter le filon comme il pouvait, il a essayé de repiquer un peu son personnage comme il pouvait. Ouais, bien sûr. Donc voilà, Hanuman apparaît dans ce film, et bizarrement, il est plus blanc, à un moment il est vert, il y en a un autre qui est rose, il a un autre qui est violet... Ça, c'est totalement fou, quoi. C'est improbable. Oui, improbable. Mais au moins, ça pique pas d'autres persos. Ça pique pas d'autres persos. Voilà. Ça pique pas d'autres persos.
Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de. On a fait le tour et. On va pas vous reparler des histoires de droit, de problèmes judiciaires qu'il y a eu. Autrefois, promis. Ça, vous l'avez déjà eu maintes fois. Donc, voilà. Là, c'était l'occasion de. On reste sur le fun, là. Sur le fun, donc maintenant, on parle du DVD dans la Toku Cave. Donc, que contient ce DVD donc, qui est sorti chez nos amis belges de chez Zeno Pictures, donc de Hanuman et les 7 Ultraman. Donc, beaucoup de choses. Pas mal de choses. Déjà, le film en thaïlandais, avec des sous-titres donc allemand, néerlandais, français et anglais. C'est quand même bien pour un film de ce calibre, hein, je veux dire, proposer une édition aussi fournie en termes de sous-titres, c'est très très bien. Et surtout, alors là où on a été surpris, c'est dans les bonus. Ouais, il y a un bonus de qualité qui est assez hallucinant. Il y a un bonus en fait d'une heure, il y a une grosse bande démo d'une heure de toutes les productions de Chayo, et des trucs que vous imaginerez même pas, ça va de la fresque historique au film d'animation. Totalement dingue, il y a donc et ça présente tous les films un peu de tokusatsu. Ça va aussi au film de crocodile, parce que son pote il adore les films de crocodile, il recycle ses films de ses crocodiles dans pas mal de ses films. Les films de crocodile gentils, les films de crocodile méchants, voilà. Il y a beaucoup de crocodiles. Mais voilà, on l'a découvert ensemble et cette bande démo c'est juste dingue. Ah, c'est incroyable. C'est juste dingue parce que c'est une mine d'informations en fait sur tout le studio. Limite sur tout le studio. Hein, franchement. C'est limite plus divertissant que le film des fois parce qu'en 60 minutes on compresse tous les imaginaires, tous les personnages. Ouais, et puis, là tu fais. Et vous avez donc une galerie photo qui a été réalisée récemment par Frédéric Van Hoof, donc qui est une galerie photo qui a été faite au studio, à ce qui reste des studios de Chayo. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis franchement, le packaging... J'aimerais bien avoir un jardin comme ça, moi. Est quand même intéressant. Vous avez l'affiche qui est reproduite comme ça. C'est franchement très très beau. C'est un beau produit quand même pour un film qui méritait pas tant. Moi, j'aurais fait quand même... J'ai un petit bémol quand même. J'aurais quand même fait une dernière relecture sur les sous-titres français. Parce qu'il y a encore... Il y a des petites fautes qui persistent. Donc une dernière relecture aurait été pas mal. Mais bon, voilà quoi. Sinon, vous regardez le film avec les sous-titres anglais, ça passera tout aussi bien. Mais on va dire qu'actuellement, c'est la meilleure façon de voir ce film-là, si bien sûr vous êtes fan. Et j'espère vraiment que s'ils ont l'occasion, s'ils peuvent, si c'est pas trop problématique en termes de droit ou d'accès, pourquoi pas faire une autre sortie avec soit un film Chayo qui a rien à voir avec les productions de Tsuburaya comme Tatienne par exemple, ou alors non, mais ça serait bien que ça lance une gamme quoi, ça serait intéressant. Oui, peut-être une gamme Chayo, parce que c'est vrai que le film le Magic Lizards effectivement, ou alors le The Noble War, moi ça me dit bien quoi. Ouais ça peut être intéressant. Pas mal du ça film, peut quoi. Être intéressant. Voilà. Donc après, bon, la qualité est celle du DVD thaïlandais, hein, donc bon, oui, mais de toute façon, ça dépend ce que vous voulez. Il n'y a pas de Master HD voilà, dans ce film. Il n'y a pas de Master HD, mais bon, c'est pas préjudiciable pour le type de film que c'est. Franchement, ça va. Si les hommes d'une autre planète avaient le droit à une édition, entre guillemets, voilà, de qualité. De qualité, je ne vois pas pourquoi ce film-là aurait pas pu en avoir. Voilà. Non, franchement, c'est disponible donc sur le site de Zeno Pictures. Donc c'est un import belge, mais il n'y a pas de difficulté de lecture, rien du tout. Et de livraison non plus. Hein. Et de livraison, c'est du zone 2. Et je me demande même si c'est zoné d'ailleurs. Je me demande même si c'est pas un all zone. Sûrement. Ouais. Mais franchement, non. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quand même un beau produit. C'est pour, ça. Pour ce que c'est. Voilà. Voilà. Donc on passe au Dikotoku. Alors Jordan, pour ce Dikotoku, on va parler d'un cinéaste encore, d'un réalisateur. Ouais. Grâce à ce Dikotoku, on va un peu mélanger tous les genres... toutes les sauces. Toutes les saveurs. Dans cette émission. Donc on va vous parler de monsieur Shohei Tojo, donc, qui est un réalisateur qui est né donc, en 1939 dans la préfecture de Fukushima. Et qui est un réalisateur qui a travaillé un peu partout. Il a travaillé aussi bien chez Tsuburaya
que à la Toei et même à la Chaiyo dont on le disait. Donc il est tout d'abord assistant réalisateur sur des séries comme Busca, comme Ultraman, donc Ultra Seven, Mighty Jack. Ouais, toute la première ère de toute série la première ère de Tsuburaya. Et après, il passe donc à la réalisation d'énormément de séries de Tsuburaya, donc Fight Mighty Jack, donc qui est la suite en fait de Mighty Jack, Ultraman Jack, Mirror Man, Jumborg Ace, Ultraman Taro, Ultraman Leo, Aztec Kaiser, donc une autre franchise de Tsuburaya qui est peut-être un peu moins connue. Plus obscure, ça. Koseidon, donc le Kiryu Sentai Koseidon, donc une série de 78 de Tsuburaya avec un oui. personnage de héros qui rencontre un peu des dinosaures et voilà. Et Ultraman 80. Il est réalisateur sur Ultraman 80. Donc, il va rencontrer, ou surtout, je pense qu'il va être envoyé en Thaïlande pour seconder Sampote Sands lors du deal qui va être fait avec, Chaiyo, entre Chaiyo et Tsuburaya. Donc, il va notamment travailler à la réalisation de Hanuman et les statues Ultraman, donc comme on l'a dit. Tout à fait. Mais également donc, de Jumborg Ace and Giant. Et il va également travailler sur la partie tokusatsu de Hanuman et les 7 et les 5 Kamen Riders. Donc voilà, ça va vraiment être monsieur tokusatsu en Thaïlande, donc son pote va vraiment s'armer de quelqu'un de compétent quand même, parce qu'il a déjà fait ses preuves avec Tsuburaya. Il y a un film que je vois, moi, c'est Magic Lizard. Ouais, Magic Lizard, le film avec le lézard qui fait du vélo. Il va également rejoindre par la suite la Toei, notamment les grosses franchises, notamment de Super Sentai, puisqu'il va être réalisateur d'une grande partie d'épisodes et des films des franchises des années 80, début 90 quand même. Donc il va notamment être réalisateur sur Sun Vulcan, donc la série et le film, Goggle 5, donc la série et le film également, Dynaman, il va réaliser des épisodes ainsi que le film, il va être sur Flashman, pareil, la série et le film. Maskman, Liveman, Turbo Ranger, Fiveman, Jetman, Zio Ranger, Die Ranger, c'est notamment lui qui signe le film en plus de certains épisodes de la série. Sur Kaku Ranger, pareil, il fait la série et le film et il va travailler sur les débuts de O-Ranger. D'accord. Et on retrouve également sur d'autres franchises, sur d'autres types de héros qui ne sont pas liés au Super Sentai, Machine Man, By Closer. Oui. Jaspion, Winspector et B-Fighter Kabuto. Oui, le deuxième B-Fighter. Voilà, donc un monsieur qui va quand même bosser sur pas mal de franchises quand même. Il fait quand même beaucoup de choses. Hein, il a fait énormément de choses, à la fois chez Tsuburaya et à la fois chez Toei. Et je serais pas étonné que ce soit des mecs comme Noboru Yajima qui lui a dit viens bosser avec moi, parce que je rappelle que Yajima avait fait notamment les effets spéciaux de Jumborg Ace. Hein. Tout à fait. Donc je serais pas étonné qu'il l'ait un peu récupéré avec lui. Sans doute. Donc voilà, un monsieur qui a une grande carrière. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, il doit sûrement être à la retraite sûrement consultant. Oui, mais bon, quand tu vois la carrière qu'il a eue. Mais voilà, je pense qu'il peut se reposer. Il peut se reposer. Je pense qu'il va devoir toucher peut-être une retraite sympathique. Voilà. Donc en tout cas, voilà, n'oubliez pas que Hanuman et les 7 Ultraman donc, est disponible chez Zeno Pictures, donc chez nos amis belges. Et donc la prochaine fois, mon cher Fabien, de quoi allons-nous parler ? Je crois que nous allons parler de Ninja. Et oui, puisqu'on va vous parler de la série, la dernière sortie de Super Sentai chez Shoot Factory, donc Kaku Ranger. Donc, Ninja Sentai Kaku Ranger. Voilà, donc une série énorme. Tip top aussi, donc on se retrouve dans l'émission 52 pour parler d'un peu de Sentai et d'un peu de Ninja. Tout à fait. Donc, quelle est ta sélection musicale du mois ? Eh bien, la sélection musicale, j'ai envie de rester en Thaïlande. Ouais. J'ai pas envie de faire du Ultraman. Donc, ce sera le thème de Kamen Rider X en thaïlandais. Très bien. Bah, écoutez, d'ici là, vous remercie encore pour votre fidélité et votre gentillesse. Vous pouvez toujours nous suivre sur le Facebook de Tokuscope, le Twitter de Tokuscope. Les émissions sont toujours sur la chaîne de Cinéfeuse.
Et puis, bon, bah, la page Tipeee de Cinéfeuse est toujours ouverte. Le blog de Cinéfeuse de Tokuscope rassemble toujours toutes les émissions. Voilà, bah, écoute, on se fait un câlin à la Hanouman. À la Hanouman, hein. Bon, prenez soin de vous. Voir des films comme ça, c'est vraiment. C'est fou, quoi. C'est fou, on est fatigué. Et on redevient plus sérieux la prochaine fois. Ça marche. Prenez soin de vous et transmutez-vous. ทำลายล้างสิ้นมาบนดินหรือจะบินบนฟ้าท้าทายผู้ไว้ลายหมดแดงเจ้าแห่งกำลังใครมาบวนถึงรังรอไม่ได้ต้องไปปราบมันให้มันลงนรกกลั้นในวันใครรวยไอ้หมดแดง